Bienvenue sur netprof.fr, français pour étrangers, pratiquer l'oral et l'écrit. Leçon 8. Je vous propose de pratiquer le vocabulaire. Pour chaque phrase que vous allez entendre, il faut choisir le mot qui correspond dans une liste. Voici la liste. Et voici la première phrase. C'est un dessert très froid. Une glace. On la porte au bras, elle indique l'heure. Une montre. On la met pour tenir un pantalon ou pour être en sécurité en voiture ou dans l'avion. Une ceinture. Un objet qui éclaire dans une pièce. Une lampe. Il est sur le passeport et il permet d'entrer dans un pays. Un visa. Une petite lampe électrique que l'on peut emporter dans sa main. Une torche. Un bus pour les touristes. Un car ou autocar. Dans une pièce, il est au-dessus de nos têtes. Un plafond. Un objet rond utilisé pour de nombreux jeux. Une balle. On le tourne pour avoir de l'eau dans la cuisine ou la salle de bain. Un robinet. Un meuble où l'on peut mettre les vêtements, le linge. Une armoire. C'est un récipient en métal utilisé pour faire cuire, par exemple une sauce. Une casserole. On la porte en hiver, elle est généralement en laine. Une écharpe. C'est un accessoire pour femmes, en général en soie ou en coton. Un foulard. Une ouverture dans un mur ou une porte de voiture. Une fenêtre. On peut le laisser dans une forêt pour attraper très cruellement des animaux. Il y en a aussi dans la langue française.
Un piège. Un endroit où l'on vend de l'essence. Une station-service. La partie d'une pièce sur laquelle on marche. Le sol. Un tissu installé devant la fenêtre pour faire écran. Un rideau. Dans le ciel, une masse de gouttes en suspension de couleur blanche ou grise ou presque noire, évidemment. C'est un nuage. Eh bien justement, je vous laisse en compagnie d'un joli ciel et de beaux nuages blancs. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.